Radio Lac. Et qui nous a rejoint en studio ici sur Radio Lac, c'est notre spécialiste jeux vidéo, séries télé, cinéma, autres médias, nouvelles technologies, Pierrick. Bonjour. Salut à tous, salut Benji, c'est Pierrick, le geek. Bah écoute, j'ai envie de te dire, ça va, comme on dirait dans le milieu des maraîchers, j'ai la pêche. Allez, bonne celle-là. Ouais, très très bonne, Pierrick, le geek. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh ben écoute, tiens, tu vas deviner, je t'ai amené une petite musique, écoute. Tu reconnais, ça. Star Wars. Ah ouais. La guerre des étoiles. Ah, ça provoque des émotions, hein. C'est vrai? Ah ouais, moi ça m'excite. Laisse là, mais un peu plus fort, c'est bon ça. Voilà. Voilà, arrête-moi ça. Ouais, ouais, non, du calme là. Je suis en train de boire une bosse, j'aime pas. Ah ouais, moi quand j'ai rendez-vous avec une fille, je veux dire, après, moi je mets ça, je lui fais la guerre des étoiles dans sa touche. Alors écoute, non mais c'est vrai. Bon, bref, ils vont sortir la nouvelle trilogie Star Wars. Voilà. Mais non. Encore une nouvelle. Alors bon, pour ceux, pour les Moldus qui connaissent pas Star Wars, hein, je vais expliquer un peu le concept. C'est quoi? C'est trois trilogies déjà qui sont sorties avec trois épisodes. Hein, tu connais un peu, Benji. D'accord. Donc il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est dans le sens narratif de l'histoire, ouais. Mais qui sont sortis au cinéma dans l'ordre 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Oui, c'est clair. Voilà, mais qui t'écoute, en réalité, en fait, quand tu regardes le film, il faut regarder dans l'ordre 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai été assez clair, je pense que tu as compris. On va dire que oui. Ce qu'on apprend, ouais. Luke Skywalker donc, a fait un test de paternité, et en fait, donc, Dark Vador n'est pas son père. Ce qu'on découvre, du coup, par la même occasion, bah, c'est que la princesse Padmé, c'est-à-dire qui était la mère de Luke Skywalker, c'était comme une grosse chaudasse. Pendant que Dark Vador, bah, il essaie d'aller chercher la force, bah, elle, la force, elle l'a bien connue. Par devant et par derrière. Ouais, non, c'est vrai. Oui, et donc, en même temps, il est moins sexy, il a un respirateur. Enfin, voilà. T'as vu la gueule du truc. Bon, bref, avant, il était pas comme ça. Bref, et cerise sur la Nintendo, on apprend donc qu'en fait, le père de Luke Skywalker, oui. Ah, c'est qui? Bah, c'est le père de Tony Stark, alias Iron Man. Là, tu te dis, mais comment c'est possible? J'allais vous le dire. Parce qu'en fait. Comment c'est possible? Bah, voilà comment c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, il a voyagé dans l'espace-temps, il est venu dans un épisode de Star Wars. Là, bon, il a fait l'amour à Palmé. Là, du coup, est né Luke Skywalker, qui du coup est le frère d'Iron Man, qui n'est pas mort aujourd'hui, mais qui est vivant avant, mais dans l'espace-temps, et qui du coup, en fait, va revenir, ils vont s'unir, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre. Ils vont tous se battre ensemble avec les Avengers. Donc, ça va être un peu Star Wars VS versus Avengers. Il y a quelque chose qu'on peut constater, hein, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Star Wars a été racheté par Disney, ça a beaucoup changé, on le constate avec vous. Oui, alors là, ça va pas être produit par Disney, ça va être par le parc Astérix. Ils ont fait une petite prod, voilà, c'est comme ça. D'accord. Voilà, bah, c'est tout. Est-ce que vous, une petite blague de geek? On va toujours pour se quitter avec vous. J'aime bien, je les comprends pas toujours, mais je les aime bien. C'est essentiel. Donc, pourquoi les geeks sont-ils fiers? Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont une gigabit. Radio